paul@palais.com. Journal 4 4 chaque après-midi sur Radio Kiskeya. Journal 4 yon seul journal à l'ESA dans tout pays. Journal 4 nouvelle totale. Nous disons tout le monde bonsoir, puis que l'information nous va gagner pour nous développer pour après-midi dans le journal. Ça, gagne un journaliste photographe qui disparaît d'après Madame Nifleurette Guerrier Le Gagneur, qui Madame jeune journaliste photographe indépendante Vladimir Le Gagneur. Il dit bah, il disparaît depuis 14 mars. Il lance un appel par l'autorité et par tout le monde qui gagne information pour capable aider le jeune Maril. Ça le déclaré dans une rencontre avec la presse journée jeudi. Madame Le Gagneur, qui te gen akli deux responsables association journaliste photographe, Union journaliste photographe haïtien, et Jean-Jacques Augustin, à collectif de dimension Pierre-Michel Jean, et fait connaître ses grands ravines, Maril te al fait un reportage et puis le patounet. Deux associations journalistes photographiques, dans occasion ça, yo exprimé colère face à disparition confrère. Non, l'autre point dans l'actualité, juge instruction Jean-Wilner Morin invité ancien premier ministre Laurent Lamothe pour venir devant cabinet instruction lundi 26 mars qui a venu là. Et dans le cadre d'enquête, juge la peine sous dossier assassinat Alix Marie Junior Gasson. Il a été assassiné dans la date 24 février 2012. Il y a un conseiller ancien premier ministre et Ralph Théano, ancien ministre. Et confirmé pour Radio Kiskeya, effectivement, bureau ancien premier ministre recevoir invitation juge instruction. Mais il fait qu'on est ancien premier ministre pas dans le pays. Les batteries avocats Laurent Lamothe ont gagné temps à travailler sur le dossier, selon M. Théano, pour connaître exactement qui répond sur le bail, d'après les déclarations qu'il fait dans le micro Radio Kiskeya. Et puis c'est après-midi, forum ça, que dit que c'est le premier forum international sous réforme dans l'État, bout dans le centre convention BRH, modernisation administration publique, là, ak innovation dans le secteur public, là, décentralisation et développement local, et place ressources humaines. Et dans la réforme, ça, c'est quelques points qui étaient abordés pendant deux journées d'activité. Ça, c'est le coordonnateur OMRH, non, et qui c'était principal organisateur, Maître Josué Pierre-Louis. Gagné à la tête Conan Edouard Poult, qui a dirigé une organisation et citoyen qui pas dans l'État, mais qui a suivi tout ça, l'État fait, directeur exécutif initiative société civile, la professeur Rony Desroches, saluer l'initiative ça. Yo croit qu'il y a un paquet d'importance. Yo insisté sur la nécessité pour fonction publique la moderniser et faire plaidoyer en faveur intégration et monde dans fonction publique là humaine après presque un an crise qui t'a souqué entité ça qui fait partie de l'université l'État d'Haïti. L'actualité internationale là, pays Pérou gagne un nouveau président, c'est vice-président et Martin Vizcarra. Et c'est lui-même qui remplace le président qui est obligé de démissionner en bas d'accusation libéen dans la corruption. Et puis, Trump retire, bon côté le député, c'est le monde qui a une tendance modérée. Désormais, il est presque complet avec des faucons. Et c'est comme ça, diplomatie américaine, désormais, c'est nommé un faucon lié. Il y a un monde qui est prêt pour faire la guerre n'importe qui l'est. Et dans un moment stratégique pour les États-Unis, dans le cadre d'un rencontre avec le leader nord-coréen. Et maintenant, tout le monde est saisi dans Washington. Le président américain, ouais, chaque matin, tout le monde a tremblé. Par contre, ça le prend, dit. Et dans le tweet, il paraît un tweet qui montrait qu'il était prêt pour faire la guerre avec le Parlement. Côté que parti, il paraît en Babaniel qui mettait la présidence américaine, la majorité, dans tous les chemins. Mais finalement, c'était plus de peur que de mal, qu'on dit en français. C'est gros vent et la pluie, petite tempête, gros tempête, petite la pluie de préférence, puisque finalement, les signes et loi et financement pour 1000 milliards passés dollars qui c'est budget et gouvernement américain donc pas get shot down. C'est rare et pour ça arriver dans pays tant que Japon manifestation contre premier ministre et Abe Shinzo Abe avec madame ni peut-être madame ni falsifier de papier pour favoriser un monde qui proche lui
nan parti politik e premier ministre nan, sa rele ou espèce de népotisme. Et bien te gen manifestation jodi a nan Tokyo pou yo rele AO et sous madame premier ministre. Et puis Siri kitse Outa Oriental, kitse Afrin, même douleur parce que tout c'est la peine, c'est monde qui victime, c'est famille qui a couru pour al mettre tête à l'abri et nan Afrin côté la métuk la entré. Et bien c'est même situation koué nan zone nan et Outa Oriental la. Et puis question terroriste nan pas fini nan pays la France, au moins gen 3 moun ki mouri jounen jodi a, 16 blessés, la deux gravement graves. C'est après yo te procès de moun en otage, moun ki fè zak lan semblé c'est à l'italie à organisation terroriste selon première information. Ces informations ça yo ak an pilote, nou pa gen pou développer pour après-midi nan journal ça. Une mauvaise nouvelle dans la presse, nous connaissons nous particulièrement sensibles dans Radio Kiskeya, agent de information ça yo. Bien que l'ité sous réseaux sociaux, mais précaution professionnelle nous gagne à tout ça qui a circulé sous réseau ça, que nous prenons comme un indice pour aller chercher plus d'informations, étant donné il y a pas les mêmes contraintes avec nous pour nous même vérifier tout ça n'a dit. Et c'est ça qui est le journaliste professionnel, non? Et Fleurette Guerrier, le gagneur, qui c'est madame jeune journaliste photographe, ça, Vladimir le gagneur, effectivement disparaît, d'après ça, madame ni précisé, dans un point de presse, je ne jeudi, depuis date 14 mars. Et donc, il est en souffrance terrible. Il lance un appel à l'autorité et toute autorité pour faire tout ça, yo gagne, pour yo faire, pour yo capter une information. Et pour joindre qui côté Marie le passé. Dans point de presse ça jeudi à Libaye dans maison de la presse madame Le Gaer qui te gain ak li deux responsables association et journaliste photographe haïtien Union journaliste photographe haïtien UNJPH et Jean-Jacques Augustin a dirigé à collectif de dimension Pierre Michel Jean a dirigé et fait connaître ses grands ravines. Marie t'a fait un reportage et puis il pas retourné. Fleurette Guerrier le gagneur, pas de kakembe de l'onangel précisé, Marie t'a parlé avec elle journée 14 mars non, il t'a dit li en forme et puis après ça il pas de nouvelles. N'attendel et qui t'a parlé comme ça dans point de presse ça côté Vladimir Maurice Ridoré était présent pour Radio Kiskeya. Information de disparition Marie Mouin, qui c'est Vladimir le gagneur. Après dernière expérience que l'été gagné avec Loop News, donc l'été vin à travailler pour contre lui. Et c'est notre travail pour contre lui, mercredi, je quitte mercredi 14 mars. L'été gagné un reportage pour que l'été le fait dans une zone grand ravine. Donc avant que l'été sorti, moi j'étais, puisque moi connais que c'est une zone qui est dangereuse. Et comme d'habitude, chaque fois que l'été sorti, moi toujours été en contact ensemble avec lui, qui par SMS et propre de Donc, je te dis que comme je ne suis pas capable de brûler, souvent je peux me connaître à faire et je peux même me connaître à faire, vu que je connais que c'est une zone qui est dangereuse. Donc, est-ce que je suis capable de brûler l'heure que je suis capable de brûler? Donc, il te dit que comme je suis rendez-vous à 10h, il est obligé de déplacer avant 10h. Donc, il dit à midi, je suis capable de brûler et à 2h tout, je suis capable de brûler. Donc, vraiment vrai, à 10h, 10h15, 19h, je suis brûler. Je suis jeune, il parle ensemble avec moi, il dit à avoir besoin de tôt, je suis en forme et que je mange, mais sauf que je suis j'ai occupé donc moi dit ben OK puisque on j'ai occupé est-ce que me capable brûler toujours à 2h là que lui dit oui pas de problème et puis 2h à filer m'a prélé le téléphone sonné sans réponse jusqu'à ce que le téléphone pas jamais sonné encore jusqu'à journée jeudi donc moi un message moi pour jeudi hein, c'est que Vladli il a fait un travail qui t'a utile tout le monde parce que c'est information que il a cherché pour que il était baille population et même international tout donc c'est pas un bagage mal qu'il t'a fait pour jusqu'à journée jeudi on pas jamais cap donc moi demander pour autorité parce que depuis mercredi dans la soirée comment faire des manches parce que je commence à inquiéter parce que c'est pas habitude lui parce qu'il fait tout le temps ça il pas parler ensemble avec moi donc depuis de la soirée moi j'ai commencé à faire des recherches dans demain l'hôpital général l'hôpital tout l'hôpital me pensait qu'il était capable joindre lui par contre si son bagage était capable river lui aller donc c'est disparaître que disparaître m'a demandé à l'autorité pour que yo aide dans ça parce que et au journaliste encore donc me pensait que autorité était supposé activer dossier ça pour que au moins me connaît qui ça qui passe réellement parce que jusqu'à présent pas connaît si Marie m'en vit si le monde mais d'assembler grand pile rumeur qui a circulé comme quoi des
côté ta gagne des corps mais m'a demandé pour autorité même yo fait travail ça à chercher identifier si c'est ta vrai ta gagne des corps qui ta quel côté dans zone là pour que yo aille chercher pour connaître si c'est lui même et si c'est pas ta lui même tout pour ton information pour connaître côté mal passé parce que c'est eux même qui responsable sécurité et population obligé font bagage parce que m'pas ca chercher moi même m'pas ca passer sous tête autorité donc obligé passer par autorité donc c'est peut-être ça je dis d'être ce que ensemble avec collègue Marie-Moi pour que nous te faire point presse ça afin que nous te passer message là ça qui passe ils ont ça qui passe de tout non pour moi pour finalement me connaître que l'esprit pas je m'en perd mais au moins ma gueule yo bagaille yo nous faire qui plus ou moins bon pas qu'à dire rassurant mais qui a aidé nous dans cette société là nous perdu n'a cherché partout tout côté pas grand rien donc autorité c'est celle nous même qui capable aider nous éclaircir situation ça. Oui, Fleurette Guerrier le gagneur qui c'est madame jeune photojournaliste et photographe indépendant Vladimir le gagneur. Ça fait 9 jours depuis que Formine n'a pas gagné aucune nouvelle de lui. Responsable de l'association journaliste photographe dans la capitale, la Union journaliste photographe haïtien et UNJPH avec Jean-Jacques Augustin, à collectif de dimension Pierre-Michel Jean, qui accompagnait Madame Guerrier le Gagneur et pas caché Coléo devant disparition confrère Vladimir le Gagneur. Jean-Jacques Augustin à Pierre-Michel Jean lance un appel à la police pour y faire recherche sérieuse pour arriver à joindre journaliste indépendant Vladimir le Gagneur qui disparaît depuis 9 jours et selon Madame Nip était à faire reportage dans une grande ravine. N'a écouté Jean-Jacques Augustin et Pierre-Michel Jean, deux responsables association photographe dans le pays qui te parlé comme ça et toujours dans rencontre avec la presse dans le micro Vladimir Maurice Ridoré. Maintenant, dans la constatation disparition confrère Zamine qui c'est Vladimir Legailleur photojournaliste indépendant freelance dans cadre travail tout ça n'a pli sur réseaux sociaux n'a tendé dans radio télévision côté n'a regardé pour nous mêmes n'a dit c'est rumeur c'est pour raison ça collectif de dimension avec Union des journalistes photographes haïtiens, UNJPH, accompagné Madame Vladimir Legailleur, qui s'est confrère nous, pour demander la justice, fait travail, dans aider nous, joindre bon gens informatiques, qui cap permettre nous joindre côté confrère, yé, pour Madame et famille, cap arriver joindre. Pour nous finir, nous parlons entrer dans le combat ça, pourquoi? Dans chercher confrère, pourquoi? C'est pour ça, pendant nous là, devant écran, tous les médias nationaux, internationaux, toutes radios, tous les réseaux sociaux, on dit à nous tous à profiter ensemble avec madame et tout l'autre confrère solliciter concours admission international Reporters sans frontières Fédération internationale des journalistes ANMH AJH SOS la FIJ qui c'est international qui c'est la Fédération internationale des journalistes organisation toute organisation doit mieux tout le monde dans population à tout l'autre ça que ne pas citer si yo gagne information qui capable aider non seulement nous-mêmes et organisation chitala avec madame et surtout la justice aider nous joindre confrères c'était dans cadre travail ça t'a fait nous bien en pile et nous t'a battre un gros bras collectif de dimension avec UNJPH accorde en pile importance avec principe républicain qui c'est liberté de presse droit à l'information pour tout monde dans population sur tout sujet pas un sujet tabou pas un côté on monde qui aller dans pays a m'rete quoi à moins de 10 km de palais national m'arrêter quoi les risquer pour un journaliste travail pas un côté sous territoire qui on monde gain droit aller ou pas gain droit aller nous même nous accorder en pile importance à notion ça état de droit droit à l'information liberté de presse liberté de conscience donc n'a dit tout nous même nous fait pas son note qui c'est censé note des de travailleurs de la presse haïtienne côté journaliste qui était attaché à principe républicain ça yo bral signataire li et nan jou k'ap vini là haut si nous toujours pas gagne nouvelle de collègues nous de camarades n'a mette au courant de résolution n'a prend en cet temps que l'état gagne pour mission pour protéger tout le monde dans la population et nous-mêmes, conditions de travail, nous souterrains, s'il est menacé, nous-mêmes, est-ce que nous sommes capables de continuer de travailler envers et malgré tout ça? Voilà, c'est deux confrères, Jean-Jacques Augustin, qui est responsable de l'association Union Journaliste Photographe Haïtien
et UNJPH et puis avec responsable collectif de dimension Pierre-Michel Jean dans occasion ça et un sujet extrêmement sensible pour nous-mêmes dans la presse non et qui tout vient l'ouvrir l'autre blessure qui pas jamais fin guéri et concernant divers ça métier ça a subi plusieurs pertes que nous fait pendant toute année qui s'est passé là yo avec un pile espoir et que rel ça qui lancé à la tomber dans oreilles monde qui gère responsabilité pour garantir sécurité d'abord pour faire recherche pour capable jeune jeune journaliste Vladimir Le Gailleur puisque madame ni identifié dans qui zone que était allé et nous espérer la police a fait travailler ensemble avec responsable dans question sécurité nous très attentif à dossier ça que n'a suivi de très près pendant que nous compatis avec Fleurette guerrier Le Gailleur même gens avec association et deux associations photographiques qui encadrent et Jean-Jacques Augustin et Union et journaliste photographe haïtien avec Pierre-Michel Jean collectif de dimension donc on est capable de compter sur nous sur Radio Kiskeya et sur ANMH. Yon l'autre point dans actualité a juge instruction Jean Wilner Morin invité ancien premier ministre premier gouvernement tête Kalea Laurent Lamothe pour venir dans cabinet d'instruction pour le tendre lundi 26 mars qui a venu là dans cadre d'enquête juge l'a mené dans dossier assassinat Alix Marie Junior Gasson qui était perdu la ville jusqu'au 24 février 2012 dans un conseiller ancien premier ministre là ancien ministre dans cabinet ministériel li Ralph Théano confirmé pour Radio Kiskeya que bureau ancien premier ministre recevoir invitation juge instruction mais il fait connaître ancien premier ministre pas dans pays a pourquoi il est là cependant batterie avocat Laurent Lamothe déjà mobilisé sous dossier selon monsieur Théano nous interview li Radio Kiskeya jeudi a qui était passé dans journal non à midi journal que Ketia Jean-Pierre Taylor présenté chaque jour Ralph Théano fait connaître ancien premier ministre Lamothe selon lui-même pas tagué rien pour ouais acte dossier ça il fait connaître dossier ça pas rien pour ouais acte dossier et gaspillage qui fait dans l'agent Petrocaribia toujours selon ancien ministre Ralph Théano qui t'a répondre question Ketia Jean-Pierre Taylor effectivement faut que nous disons que apparemment l'invitation de recevoir dans l'après-midi d'hier et actuellement avocat en train d'analyser c'est bien malheureux ancien premier ministre en mission actuellement il n'est pas en Haïti donc nous fait le part de ça parce que c'est la justice invitée donc il va nécessairement faire devoir de citoyen et il y a des éclairages pour le côté la protéger même si que moi remarqué que son dossier que yo invité lui que peut-être il pensait que et même la mort pas même au courant parce que dans la mesure que et sur ça y a investigué si vous comprenez bien c'est sur la mort de Gasson qui était fait si me pas trompé mon c'est fin février 2012 à l'époque de fin février 2012 parce que premier ministre c'était Gary Conille premier ministre la mort ministre des affaires étrangères à l'époque et d'après ça n'a pas regardé m'a même songé pour être en mission pour pays a pendant près de 2 à 3 semaines de janvier à février et me pensais que c'est Jules Hervé qui est ministre de la planification donc ça n'a rien à voir apparemment si on lien entre planification et cette affaire donc par la suite il est devenu premier ministre jusqu'en juin de l'année prochaine et peut-être ministre de la planification en juillet ou août de cette même année donc je pense que son dossier qui parrain pas grand chose, peut-être que le juge a le droit de s'enquérir, mais peut-être qu'il a été mal conseillé, il a le droit de chercher, mais c'est pour un dossier qui vraiment concernait l'ancien premier ministre. Moun qui déposait plainte pour lumière faite sur assassinat monsieur Gasson, yo croit et assassinat ça, il y a connexion avec dilapidation qui fait dans fonds Petrocaribéa. Tout niveau comme gain l'endroit. Je actuellement ma troisième année. On y sent qu'il n'a pas d'informations. Il n'en a pas. Aussi simple que ça. Donc, est-ce qu'il sera là lundi? Je ne sais pas. Parce que c'est à son conférence internationale de l'IE, il est intervenu. Donc, est-ce qu'il sera là? Est-ce que ses obligations
vont lui permettre d'être là lundi. Au cas où il ne sera pas là lundi, on pense que n'a bien l'amabilité, la sagesse, le juge qui et puis demander le juge le report soit à la huitième ou bien à une date ultérieure à la suivante. Juge d'abord un report assez gracieux. Voilà, c'est ancien ministre Ralph Théano. Sous invitation ça, juge Jean-Wilner Morin, voyez par ancien premier ministre Laurent Lamothe Laptonni, lundi 26 mars là dans cabinet d'instruction sous dossier Alix Marie Junior garçon été assassiné 24 février 2012. Faut que tout dit qu'il y a deux citoyens qui étaient à faire une plainte en du plus et supplémentaire, ils ont demandé pour mettre dans dossier et concernant assassinat jeune garçon ça pour eux-mêmes qui lié à un dossier Petro-Caribéa. Premier coup de pied d'actualité internationale, pays Pérou, un nouveau président Leonel Martín Vizcarra, et jusqu'à présent qui était vice-président péruvien et puis ambassadeur pays dans pays Canada. Et c'est la nuit là il arrivé pour venir prendre place président. Il prêtait serment en tant que chef de l'État et le promet pour combattre la corruption qui portait Pedro Pablo Kuczynski allait et qui est la cause gros scandale ça on l'autre fois encore cap souqué pays Pérou monsieur d'après description fait de l'île dit son est qui haut et qui pas d'en parler en pile il parle de façon sec l'a parlé c'est un ingénieur il dit que c'est pas un monde tout qui est figure toujours marré monsieur gain 55 ans mais monsieur pas gain rien pour le parti politique traditionnel gain dans pays Pérou donc c'est lui même non journée là et président parlement péruvien passé échappe présidentiel là dans couli devient nouveau et président pays Pérou. Première déclaration le fait, il dit que nous pourrons faire tout ça capable pour nous gouverner contre cancer ça et les corruptions. Il dit tout zam li gen contre corruption c'est transparence qui c'est un pilier pendant reste mandat ça que le pral faire reste mandat président d'après ça le déclarer et devant député yo et il promet que pays a absorti dans situation il a pour connaître depuis bon moment d'après ça il dit comme promesse donc les plus vini pour lever morale population ou bien pour au lieu pour enfoncer yo qui a passé des moments et qui est très triste avant ça et député yo t'est tranché yo pas mettre une couche en plus humiliation et pour Kuczynski qui est déjà démissionné tout simplement accepter démission alors que était gain droit destituer ça t'a plus grave encore pour lui après il était fini démissionner et mais député accusé d'après avoir été bail menti et sous lien que il était gain avec gros compagnie et dans construction compagnie construction pays Brésil et Odebrecht et qui c'est lui même qui a souqué toute Amérique latine là à scandale corruption ça qui sale un bon parti dans politicien dans Amérique latine dans tout côté compagnie ça t'a travaillé. Kuczynski, c'est un ancien banquier qui travaille à Wall Street dans le pays États-Unis, qui a 79 ans sous tête, ancien ministre économie et finance. Devant ça, monsieur T. Alpatroué qui j'en pour chaper, parce que le chaper en bas une destitution déjà. Dans ma descendance, c'est une petite Fujimori qui a sauvé. Et bien, fois ça, monsieur démissionné. Donc, premier défi, nouveau président gain devant, c'est d'abord monter un gouvernement large. Pour capable arriver mettre deux crises là à terre. C'est ça un analyste politique Mirko Lauer déclaré. Vizcarra et qui t'est trouvé dans poste comme ambassadeur, vice-président mais ambassadeur et pays dans pays Canada, t'est pris avion depuis hier soir, c'est avant jour à arriver Lima et te gagne quelques dizaines et monde qui devine accueillir, yo fait le cadeau you mayo pays Pérou pour participer dans mondial là. Et qui qualifié pour mondial qui pourrait jouer dans pays là aussi qu'on connaît. Et genre que constitution dit et président si pied cassé et pendant mandat ça cap fini dans mois juillet 2021 donc c'est vice-président qui doit remplacer. Gouvernement Vizcarra li pral continuer politique qui t'a fait tu dans question économie avec investissement mais doit tout bon li gè plus chance que président qui allait à parce que le président qui allait avoir un problème tout un problème légitimité beaucoup de population yo croit que monsieur gagne plus marge de manœuvre au point de vue capital politique qui est plus important que Kuczynski beaucoup de population sans que ça pas veut dire que c'est comme si monsieur gagne un chèque en blanc dans main
qui voulait dire que monsieur Pral réussir réformer de façon structurelle qui donc dans charpente li payant d'après sa cabinet Eurasia Group là fait connaître. Et pour ça Martine Viscara et qui est contrairement à Pablo et Kuzenski pas gain aucune relation avec secteur business privé. Et monsieur pas gain relation ça ni avec parti politique traditionnel et parce que monsieur Pral gain pour faire face à un clan Fujimori qui est tout puissant dans le pays Pérou. Et que c'est petit Fujimori qui représente tellement fort, c'est eux-mêmes qui opposition à propre tête. Deux petits, Keiko, garçon, et Fia, Kenji, garçon, chaque yon un parti politique, un bout dans le main, et tous les deux, yon pas dans ses collègues avec l'autre. Donc Kuzenski, justement, a souffri de problème ça devant parti Keiko, qui est force populaire, tendance droite, une droite dure. Qui était dans opposition parce que Keiko manquait gagner élection et il y a une majorité dans le parlement. Donc monsieur t'est échappé en bon tentative pour te mettre la tête déjà dans le parlement dans mois de décembre qui s'est passé là. C'est grâce à qu'on accord il était gagné Kenji qui c'est l'autre frère Fujimori qui fait monsieur sauver et après ça il obligé larguer papa qui était condamné au passer 25 ans prison pour crime contre l'humanité à corruption. Ça qui fait tout beaucoup de population président qui obligé bay démission avant hier te vinn petit crasse popularité te gagne te vinn fond sous compte beurre dans soleil peuple a te gagne mauvais lait à cli d'après avoir la guerre Fujimori il pas ka bay explication vice président qui prend pouvoir journée jodi a li pral gagne même problème ça pour gouverner faut li composer avec clan Fujimori qui très puissant mais qui divisé en deux entre frère avec sœur Keiko et Kenji d'après ça Gaspar Estrada qui c'est directeur au parc et observatoire sur Amérique latine nan, institut études et politique dans ville Paris. Pourquoi il est là Keiko est seulement écrit sur compte Twitter et que c'est un moment côté que on va faire politique politicienne et que tout péruvien doit mettre tête ensemble, nous doit ferme et nous doit gagner espoir face à défi qui attend nous toutes, il dit que le pape fait politique politicienne dans dossier démission avec remplacement président qui perd du pouvoir. Et il souhaitait nouveau président Viscara bonne chance. Le parlement obligé mais gain un nouveau accord et président doit gagner avec puisque le pas gain majorité si pour ca gouverner et faut tout et d'après sa député Mauricio Mulder qui sont social-démocrate déclaré journée jeudi a et concernant débat qui gagnait et sous ça est fait avec un PPK parce que et pas parce que le démissionnaire qui fait dossier à fermer. Sûrement, M. Pralgué pour la répondre devant la justice, président démissionné pour affaire corruption. Et donc, journée jodia, Livin, premier président PPK, qui tombait dans scandale ça, qui a souqué toute Amérique latine, non? Scandale corruption, gros compagnie brésilienne, non? Dans construction pour carré contrat qui graissait patte tout politicien côté compagnie ça, travail jusqu'en République dominicaine. Et plusieurs parlementaires qui sont en prison, qui sont dans le pays Brésil et qui sont dans l'autre pays. Dans pays Équateur, c'est vice-président qui tombait dans scandale ça. Donc deux l'autre président qui était avant Kuzenski, Olanta Humala, il ferme en prison pour même dossier ça. Même dossier compagnie Odebrecht là. Alejandro Toledo, lui même qui c'est tout un symbole petit peuple indien chien dans la rue qui rivait faire études jusqu'à doctorat en sciences économiques et qui vient diriger pour la première fois un indien diriger Pérou. Eh bien, je ne jodi a, monsieur nan caché, li trouvé en Californie, dans pays États-Unis, côté pays et pal, et mandé pour extrader monsieur pour venir juger dans dossier et scandale. Comme ça, il dit te prend un magot l'argent dans mes compagnies. Donc, il a cherché pourquoi il est là, il est impliqué dans scandale ça. Donc, pendant que, ou mala lui-même, il est en prison. Alors c'est donc situation très mangomen dans ça qui concernait et situation président péruvien pendant dernier temps ça dans question crise politique ça crise confiance a souqué pays. Premièrement, il y a un sommet des Amériques là qui doit faire 13 à 14 avril dans Lima et côté parmi chef d'état qui a là le président américain qui a fait premier voyage li dans Amérique latine Donald Trump. Normalement, pas ta doit gagne problème pour sommet hein, d'après qui doit aller. Nous pas voulez un renouvellement avec un seul grain de monde qui tombe, mais nous voulez pour tout le monde qui mettait nous là pour tomber d'après ça aussi. Mais analyse qui a suivre, les gars des valeurs monde qui était dans la rue quand même
et par rapport à Jean tout secteur a regardé situation yo quoi pourquoi elle est là pas gain danger pour économie pays a ta plongé selon Capital Economics qui c'est un cabinet britannique qui a suivi évolution ça qui passé dans pays PO. PO pas seul pays qui dans situation ça nous vivons dans l'autre moment dans l'autre temps côté que peuple yo pas danser collé à question corruption qui fait trop souffrir et qui fait trop mal dans pays yo côté yo pas ca joindre ressources pour tout le monde donc nous qui tout en Amérique latine qui tout en Europe qui tout en Asie sont levé campé général contre question corruption Radio Kistea, je suis depuis studio Bertrand Pierre-Louis, je salue tout internaute qui a recevoir sur www.radiokistea.com, quelque chose à côté, et tout ça tout qui a recevoir sur plateforme intelligente. Premier coup de pied en province, après nous dans Balatibonitlan, porte-parole police dans le département, ça, inspecteur Jean-Marie Rochenel, présenté deux mondes que la police accusée qui s'est bandit, arrêté dans le cadre. Opération qui est identifiée ou que la police a mené dans le département ça et responsable et commissariat Saint-Maclade dit déterminé pour mettre en bas code tout le monde qui a simé la trouble dans la zone là plus d'états correspondant nous dans bas Tibonite là 1100 à Davis Liste Saint-Marc présenté par la presse, Joseph Zamor Bienfait, alias l'opposé à Victor Junior, alias Don Gigi, paysan, y a arrêté dans le cadre d'opération identifiée. La police lancée dans le cité de pour barrer bandit qui prend plaisir, fouiller moun bien bonnet dans le matin. Joseph Zamor Bienfait, alias l'opposé à Victor Junior, alias Don Gigi, paysan, joué une arrestation dans Gilbert, localité qui trouvait dans la 4e section Saint-Marc. Porte-parole police dans le département de la Tibonite, inspecteur Rochenel Jean-Marie, ajouté pour dire Joseph Zamor. Amor bien fait t'a accusé tout comme quoi il t'a tué une femme n'importe quelle là nous gagne information sur monsieur Sao que la police a cherché yo était quitté zone bois coton mais dans une zone les Gilbert qui c'est 4e section Saint-Marc gagne une prostituée qui t'a vive Port-à-Gap qui est Natacha yo était connait son nom les Dalinto qui t'a vive dans les Roma Port-à-Gap yo était jeune assassiné suivant information que nous t'a gagné yo t'a cherché et l'opposé pour implication présumée dans casa suivant donné que nous gagnons. Mais suite à l'arrestation, il y a plusieurs plaintes qui déposées pour M. Sao. Joseph Zamor, bien fait, alias l'opposé, a tenté par explication sur l'arrestation. Et puis après 3 jours, je me suis dit, non, je ne même pas l'enjeu de bagages. La police a dit, tout le monde a dit, pas pour la caille. Et puis le monde a dit, c'est d'aller pour la caille. Tout le monde a dit, je ne vais pas dire, pour la caille. C'est la caille. Commissaire principal, Cliven, c'est tout, demandé collaboration population. Non, bail la police, information, sous mon nota suspect qui commet mauvais actes et caché bon la caillou balati bonis c'est mac 1100 madeus kiskeya merci toujours concernant opération de la police fois ça dans département nord-ouest opération qui fait hier avant hier dans chanson avec bassin bleu la police avec la justice la police arrêté by la justice qui mettait en bas code deux monde accusé qui c'est bandit selon commissaire divisionnaire nord-ouest là Jackson Hilaire qui m'a des populations pour collaborer avec la police dans quatre travail l'a fait plus d'état correspondant nous Saint-Jean Whiskis La police avec la justice mettait en bas code dans chanson et titre de Franc 57 l'année comme présumé criminel qui t'a coupé tête frêle Franck Defranc après t'a prend refuge li dans bassin blé zone Namboni dans date 22 mars passé dans bassin blé c'est tout par Florent Clédeno 27 l'année qui t'a en possession yon zam créole côté le tiré dans pied Johnny Louis Charles qui a prend soin dans moment n'a parlé là sous cabane l'hôpital d'après directeur police nord-ouest commissaire divisionnaire Jackson Hiller qui mandé population toujours continuer collaborer dans cadre travail PNH là parce que d'après ça il dit gen d'autres bandits la police ak la justice a cherché tant kou chien fou et qui met costume marron sous dol li te vle parler de Ribensky Herbi Depuis 18 ans, la police de Bassin Bleu a arrêté
zame qui était utilisé les pointer blessé Johnny Louis Charles qui prend un cartouche dans pied et monsieur actuellement à recevoir soin de l'hôpital. La profiter de l'occasion pour nous rappeler population, la gâte fort la fait pour aider la police que nous toujours chercher Ribeski Herbie qui était poignardé le jour qui était 7 septembre 2017 là dans Port de Paix, Mikalovna Francisque qui d'après le mourir immédiatement qu'il est arrivé dans l'hôpital. Population Mainviel dans Chansol avec population Boni La Platiga dans commune Bassemblé dit a toujours porté collé avec la justice, la police pour arriver mettre en bas d'autres bandits qui achètent zone ça au l'argent content parce que d'après ça yo dit pas jamais passer un jour pour bandits ça yo pas mettre de l'eau dans jet population nos société là yo Chansol Bassemblé Saint-Jean Whisky Radio Kiskeya. Merci dans département la Tibonite on a pour retourner encore dans occasion ouverture nouveau bureau et départemental mouvement chrétien pour Nouvelle Haïti parti politique Mokrena dans Gonaïve. Coordonnateur départemental parti professeur Rogers Alcius mandé autorité yo pour yo gain un plan rapide pour capable freiner phénomène insécurité qui empêchait moun vivre dans cité indépendance. Plus détails à correspondant na Wati Bonitan Josué Jean-Baptiste. Coordonnateur départemental mouvement chrétien pour yon nouvelle Haïti en bay dizon sous phénomène insécurité en cap prend jaret dans cité indépendance là. Maître Rogers Alcius fait connait pi bonheur c'est grand matin li mandé dans sens ça à autorité responsable yo pour agir vite pour freiner phénomène insécurité en qui sorti pour la guerre la Perez dans mitan population gonaïvienne. Coordonnateur Mokrena dans département la Tibonite lié action bandi yo ak blackout ki blaye sous ville chaque soir li espérer tout acteur yo jouer partition pa yo pour mettre bandi yo nan vrai place yo. Coordonnateur départemental Mokrena fait déclaration sa yo nan moment yo tap louvri bureau départemental parti en sou route nationale numéro 1 en Ambigo après-midi jeudi 22 mars 2018 lan. Gonaïve, José Jean-Baptiste Kiskeya. Merci d'avoir entré dans Port-au-Prince et après-midi a premier forum international sur réforme l'état fini dans centre convention BRH dans Balaville lan. Modernisation administration publique là, innovation dans secteur public là, décentralisation et développement local avec ressources humaines et dans processus réforme non et c'est quelques thèmes qui étaient abordés pendant deux journées forum ça. Coordonnateur général OMRH maître José Pierre Louis et qui était organisé forum ça dans déclaration t'a fait devant plusieurs journalistes fait un bilan positif concernant et première journée qui s'est déroulée hier et responsable a annoncé yo créé une commission à représentant plusieurs secteurs dans la vie nationale là et à partir de lundi qui a venir là yo pral élaborer un programme dans cadre réforme l'état pour une troisième fois d'après précision Libay et d'attendre coordonnateur général OMRH dans maître José Pierre Louis dans micro groupe journaliste ça yo parmi yo collaborateurs nous Rénal Guerrier. Tu as regardé là, c'est un succès total. Nous avons préparé pour nous recevoir 200 monde, c'est-à-dire des organisations de la société civile, des représentants du Forum privé des affaires, des associations, des médias, des organisations de femmes et tout secteur pays, y compris avec les hauts fonctionnaires. Là, nous avons près de 600 hier et jeudi, là, encore nous avons 600 monde qui l'a. Donc, c'est-à-dire que le bilan jusqu'à date est très positif. Monsieur Bialy, pour son réforme, demander hier d'état d'appel. On que nous avons révélé qu'il y a seulement 5% de jeunes dans la fonction publique par rapport à 82 000 fonctionnaires que nous gagnons. Ça ne pas correspondre aux standards internationaux qui gagnent à travers le monde. Donc, nous avons nécessité pour nous rajeunir la fonction publique, mais pour ce faire, pour nous gagner une fonction publique compétente, d'ailleurs, c'est ça que la République veut tout, c'est la méritocratie, nous obliger à organiser des concours. Maintenant, nous prenons le travail pour nous améliorer la qualité de la prestation des services publics. On peut regarder un peu de questions qui posent au niveau de l'accueil. Et c'est ça que nous avons conscientisé les fonctionnaires. Pour qu'on connaît que, comme que nous avons touché tous les mois, c'est en fonction d'un service fait. Finalité, la satisfaction des citoyens, des contribuables. Nous parlons de travail tout pour nous revaloriser les ressources humaines dans l'administration publique, dans la fonction publique. Il faut que nous payions mieux. Il faut qu'on a fini jeudi. Dès lundi, le Premier ministre a arrêté pour lui former le comité de rédaction, d'élaboration du nouveau programme cadre. Et automatiquement après,
dans la semaine qui suit, nous allons organiser un grand séminaire avec les différentes personnalités étatiques et non étatiques qui pourront faire partie du comité d'élaboration. Ça. Nous avons bien un représentant de l'association Média, nous avons bien un représentant du Forum privé des affaires, nous avons bien un représentant de l'organisation de femmes, parce que la question de genre est extrêmement importante, y compris la question de personnes à mobilité réduite, le représentant des droits humains, et nous avons bien un comité ça, des fonctionnaires de l'État, des hauts fonctionnaires, pour nous établir rapidement ce pacte, ce programme cadre de réforme de l'État, autant de liens que le président a dit que l'abtenir d'accord à la fin de l'été de cette année. Voilà, c'est coordonnateur OMRH, l'organisateur Forum international sur réforme de l'État, maître Josué Pierre-Louis, qui t'es parlé comme ça dans le micro, et journaliste parmi eux, collaborateur nous, Rénal Guerrier. Et sous bois paio, à la tête Conan Edouard Paul, depuis directeur exécutif initiative sur l'état civil là, professeur Ronnie Dewey, salue l'initiative ça, yo croit qu'il gon paquet d'importance, yo insister sur nécessité pour fonction publique là moderniser et puis yo font plaidoyer en faveur pour intégrer moun dans fonction publique là à travers concours. Yon après l'autre, n'a pas à la tête Conan Edouard Paul, et puis directeur exécutif initiative sur l'état civil là, professeur Ronnie Dewey, et toujours dans micro Rénal Guerrier. Nous croyons que le forum l'a lancé au départ et le président Jovenel Moïse prend engagement pour faire modernisation. Il prend engagement, donc son engagement politique et que le prend. Et donc on nous tend pour nous ouais, parce que le forum ça a la baille et les grandes lignes et en tout cas. Pour appliquer réforme. Non, réforme modernisation de l'État. C'est pour ça qu'on a appliqué du jour au lendemain. C'est pour ça qu'on a appliqué dans l'espace d'un an. Où l'État l'a montré expérience Maroc. Maroc fait modernisation administration li, dans plusieurs étapes. En autant pour nous voir si engagement politique ça a véritablement à appliquer. Dans la discussion, dans la mise en œuvre réforme, nous-mêmes en tout cas, nous prête pour nous et participer là-dedans, parce que en réalité, ça va améliorer la qualité des services de l'État aux citoyens, aux entreprises, aux institutions. On croit que c'est une activité qui a toute importance, parce que nous connaissons que l'État haïtien l'y mériter pour les capables de réformer. Premièrement, au niveau de la fonction publique, c'est-à-dire mon cap travail dans le ministère, eh bien, nous pensons que performance pas toujours ça nous attend de eux. Moi, je crois que son prise de conscience qui est faite. Bon, il y a des exemples qui baillent. Il y a un concours qui est fait dans le ministère de l'Agriculture pour embaucher de nouveaux cadres pour les directions, n'est-ce pas, du ministère de l'Agriculture. Et c'est sous concours qu'on fait et on prend des mondes en fonction de leurs compétences. Je crois que tout ministère a dû faire ça. Je crois que le ministère de l'Éducation nationale commence à faire un travail comme ça. Désormais, les recrutements se fassent par concours et non par favoritisme, clientélisme ou népotisme. Voilà, c'était professeur Winnie Desroches à la tête ISA Initiative Société Civile. Et puis avant ça, c'était Edouard Poult à la tête Conan. Non, tout d'abord, tenant micro Rénal Guerrier et dans l'occasion, finissement Forum international ça sous réforme et l'État. L'autre point dans l'actualité, c'est dans la faculté sciences humaines, nous pour aller. Côté activité académique, qui a recommencé depuis le mois de février. Dans la faculté, ça, nous connaissons le passé presque un an, 11 mois, et la crise tape sous elle, et côté, elle était fermée. Le reporter nous qui était allé dans la faculté, ça, jeudi, et constaté, étudiants, ils étaient dans la salle classe. Côté au tap suivre cours professeur tap faire pour yo pendant certains lots tap régler formalité administrative et dans faculté et puis yon l'autre catégorie étudiant yo était dans la cour et yo regroupé yo dans chacun dans coin par pour discuter sur sujet qui intéressait yo dans société si majorité professeur yo déjà répondre présent dans salle classe yo quelques grain l'autre était et à suivre et calme qui gagne qui paraît pourquoi il est là nous connaît faculté ça t'est chauffé en pile qui paraît fret pourquoi il est là donc il y a tonne parce que en pile blessure concernant dernier événement passé yo
semblait tendance temps pour qu'elle est là, c'est pour activité ou reprendre. Selon témoignage, quelques étudiants qui t'ont accepté répondre question reporter nous. Et même si tout nous pas remarqué présence la police aux alentours faculté, nous connaissons c'était un sujet polémique et parce que il y a deux tendances qui t'a pas affronté ce sujet ça. Une tendance qui pas d'accord du tout avec question la police non, alors que l'autre qui était en faveur. Cependant, la majorité étudiants d'accord pour yo toujours là pour kembe calme d'après ça vous fait connaître selon témoignage. N'attendez na des gens Mike Marvin Louis et ak Dukens de Sous, trois étudiants qui dans département service social qui te répondent question Emmanuel Tolembrina. Je commence par féliciter mon coordination qui fait un pile effort pour session ça l'arrivé possible. Féliciter travail yo, nous féliciter tout effort que déployé parce que nous connaissons que tâche ça n'est pas facile. Jusqu'à présent tout bagay a déroulé pas ce que nous t'a souhaité là parce que il y a un professeur qui hésitait pour venir faire quoi malgré qu'il pas en pile majorité professeur travaille normalement il y a un coup qui fait donc faculté a censé à fonctionner. Okay. Mais hésitation qui gagne de la part de certains professeurs, c'est que ça qui accepte ça. Yo te connan parler sous question présence policière là, mais gagne plusieurs réunions qui fait et gagne entente qui rive jeune avec quelques non yo, mais non qui pas venu yo, li pas en pile. C'est quelque grande. Mais une décision qui te fait objet de vive contestation, c'est présence policière yo sous la faculté a. Donc nous même en tant qu'étudiants, comment nous comprenons telle décision et ce pas un risque pour que la crise là toujours perdure. Si je prends la présence policière premièrement, je dis que la question n'est pas pour tout étudiant en général. Les étudiants en présence policière sont sentis confortables pendant la police. Parce que les gens qui disent non, il se passe qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de risque parce que n'importe quoi qui arrive. Mais ça qui a un rapport avec la crise là. Nous connaissons dans n'importe quel moment, n'importe quel bagage qui a déclenché en crise. Nous ne pouvons pas dire est-ce qu'il a perdu ou pas. Mais de préférence, nous avons pris cette situation, hein, comment ça a évolué. Et nous-mêmes, en tant qu'étudiants, nous avons toujours venu pour nous participer, pour ça parfait, parce que nous n'avons pas souhaité ça, pour jusqu'à ce que tout le bagage finisse et recommence à jeter ensemble avant. Reprise qui commence, nous sommes capables de dire que c'est un acquis lié pour nous. Nous sommes vraiment contents de ça qui est fait là. Et en plus, la majorité de nos professeurs qui déjà commencé à répondre à l'activité, c'est que nous l'avons suivi. En fait, nous sommes capables de dire que la majorité de nous qui là, nous sommes en province pour nous venir ici. Nous venons pour l'école. Nous ne venons ni dans la gang, ni dans le bordel, ni dans une série de bagailles. Ça veut dire que si c'est la police qui est là, pour la faculté à fonctionner, c'est pour nous toujours là. Moi-même, c'est position femme ça. Ça veut dire que, et en pile élèves, étudiants, collègues, camarades que là avec yo, yo vraiment apprécié ces décisions. Yo pas rien contre ça parce que activité yo reprend. Sans ça, activité au jour et jeudi alors pas tap là pour te joindre nous pour nous pour tap parler avec nous. Nous pas tap là. Là c'est quelques étudiants dans faculté sciences humaines non et sous activité yo qui recommencer d'après constat reporter nous Emmanuel Tolembrina te fait journée jeudi était dans des gens Mike Marvin Louis à Dukens Dessous, trois étudiants qui dans le département service social qui te parlé comme ça dans micro Emmanuel Tolem Brina. Hier c'était journée internationale de l'eau, dans l'occasion ça tu as quelques activités tant que une organisation relais pro Modev, une organisation de société civile là qui a pour développement sur et l'idée sur impact changement climatique là gagnent sous question élevage, jardin, et il était tout profiter, tout encourager l'État haïtien définir une politique publique claire pour capable renforcer le secteur agricole là, qui sous la graba dans le pays. N'attendre le secrétaire général pro Modev là, et Talo Bertrand, qui te parle comme ça dans le micro, Emmanuel Tolembrina. On a fait promotion pour paysannerie haïtienne, pour tout le monde qui a fait jardin, pour tout le monde qui a fait élevage, pour tout le pêcheur. On a cherché assistance technique, on a cherché accompagner dans un service de proximité et pour nous voir comment nous pouvons collaborer ensemble. C'est dans le contexte ça, chaque trois mois, nous réalisons ça, les briefings sur le développement. Briefing sur le développement, côté nous permettre tout acteur qui est dans le secteur agricole là, venir chita ensemble pour assez l'idée son thème. Je dis à cette journée mondiale de l'eau, nous inviter des experts qui vont venir parler de l'eau et impact changement climatique sur la gestion de l'eau et jardin et qui impact ça sur le fonctionnement jardin, qui impact ça sur le fonctionnement élevage, parce que nous, aujourd'hui,
gon carence d'eau les périodes est sèche, alors que les non en saison cyclone ou bien en saison pluvieuse, eh bien gain pile de l'eau, eh bien pour gagner qu'on y a des débats qui va lancer pour qui ça pas conserver de l'eau qui va gaspiller ça, de l'eau qui va inonder monde qui va faire dégâts, pour qui ça pas une bonne gestion qui fait plus ça. Et nous connais le pays d'Haïti, son pays qui a à peu près à 75% de montagne et gon carence d'eau de, dans zone de Monio, par exemple au point Kinskoff, là point dans zone sud-est, ils ont zone de pente, eh bien il y a un problème de l'eau qui pose. Eh bien je dis à faut nous garder pour nous qui situation l'état haïtien y est par rapport à gestion de l'eau, par rapport à l'autre pays qui a fonctionné. Voilà, c'est agronome Talo Bertrand qui est secrétaire général Promodev, Ronald Labranche, ingénieur et production agricole agro-industrielle et qui représentait entreprise agro-industrielle du Nord-Ouest SA, agronome Jacques Blaise et qui est vice-recteur dans recherche dans l'Université de l'État d'Haïti. Remercier Promodev qui honore travail yo fait selon ingénieur Labranche et puis go rêve yo dans les 2 ans comme ça. C'est arrivé by entreprise Paywa, puis gros moyen pour permettre de commencer à exporter sur marché international là produits que vous faites en Haïti. N'attendez représentant entreprise agro-industrielle du Nord-Ouest SA et Ronald Labranche qui était parlé comme ça dans micro Emmanuel Tolem Brina, ingénieur Labranche. Thèse de sortie, moi, l'Abdab de Colombie, c'était transformation banane en papita. Tout paramètre futur standardisé, nous avons un produit qui est présentable, qui est compétitif, qui est exportable. Ça prend notre temps, mais on a pris l'année quand même. Nous avons une transformation en banane de forme. Jusqu'à présent, nous vendons produits en brut, c'est-à-dire banane, papaye, citron, nous vendons en brut. Mais après deux ans, nous avons entré dans la transformation. Donc, violette qui ça, c'est pas PAM, c'est branche PAM, transformation. Est-ce que nous ne pouvons pas faire ça à bien sûr qu'il y a un problème de l'eau. Parce que, rappelez que la pierre est 600 mètres carrés de terre, côté nous y est. Et 100 mètres carrés de terre, pour nous, venir seulement dans le bas nord-ouest. C'est une zone qui est réputée aride, c'est libre de péjorativement relever le far west. Mais ça nous fait nous-mêmes, nous prenons de l'eau de trois rivières par pompage, à 5 km de terrain, nous passons avec en bas terre, 3 pieds sous terre, et puis nous rentrons sous terre avec, parce que les zones à lui-même, c'est pas une zone rivière, c'est pas une zone de l'eau. Et plus vieux mètre très bas, ça à peine si vous avez 400 à 600 mm pluie par an. Donc si nous ne faisons pas ça, que nous devons faire, si nous ne prenons pas trois rivières pour nous arriver avec un sous-fermement cordier, nous ne pouvons jamais arriver à produire rien là-dedans. Autre culture saisonnière qui commence saison tout, commence en septembre, puis finit en mars. La saison plus vieuse nord-ouest, c'est septembre à mars que l'hier. Mais comme nous avons produit, ça nous produit avec besoin de banane toute l'année, si nous ne prenons pas de l'eau, rivière, nous ne pouvons pas faire. Et puis l'autre bagarre, c'est que nous avons un élevage caprin. Nous avons un paquet fer, un élevage caprin, nous avons un élevage bouvin, et puis on en a rentré dans la pondeuse. Nous sommes de finir la construction pour la pondeuse là. Donc très prochainement, nous allons mettre les œufs sur le marché. C'est ingénieur Ronald Labranche qui fait partie de production agro-industrielle du Nord-Ouest SA. Et puis, sous Bopal, vice-recteur en recherche dans l'Université d'État d'Haïti, agronome Jacques Blaise. Il dit recherche li fait yo montrer que l'eau n'a pas consommé yo et ou bien n'a utilisé journée jeudi pour faire agriculture en pile fois c'est de l'eau contaminée à cause environnement pollué et selon agronome et Blaise l'eau ça yo gain toute qualité maladie là-dedans yo parasites qui vivent là-dedans yo que moun kawe gain l'autre ou pas kawe c'est avec appareil pour faire ça qui spécialisé pour ça dans microscope et dans ce sens ça li encourager population faire attention c'est pour très vigilant concernant qualité de l'eau à boire parce que quoi gros publicité te dit ça pas parce que de l'eau clair que li bon n'attend des vice recherche et vice et recteur dans recherche dans l'université l'état d'Haïti agronome Jacques Blaise toujours dans micro Emmanuel Tolem Brida. Non, recherche que nous avons fait dans l'université, qui en rapport avec l'eau, nous associer l'importance d'être capable de gagner dans l'environnement et nous associer tout action que d'être capable de gagner sur la santé monde. C'est deux bagailles qui sont importantes. Pour articuler, ce n'est pas facile, mais
faut nous obliger faire. D'être important dans l'environnement, mais gagner tout, qui gagne action sur santé monde et en pile qui gagne action sur santé monde, pour venir dans de l'eau. On travaille longtemps sur ça et en pile découverte que nous faisons par rapport à des peuples qui vivent dans de l'eau, des fois qu'on pas capable à l'œil nu, qui est obligé d'utiliser des appareils et faire des analyses et sous plan ça, nous publier en pile bagaille. Non seulement on travaille sur bêtes qui visibles, qui dans l'environnement, qui ont importance pour l'agriculture, pour protéger l'agriculture, là, protéger l'environnement, même le tout travail sous de l'eau, toutes bêtes qui dans l'eau, en particulier les parasites qui dans le champ de spécialisation, et bien faire ressortir l'importance sur la santé monde qui dans l'eau, tout est secret pour être capable d'arriver à protéger de l'eau, pour de l'eau pas contaminée par bêtes qui sont microscopiques et qui sont capables de présenter un danger pour la santé. Voilà, donc c'était agronome Jacques Blaise, vice-recteur en recherche dans l'Université d'État d'Haïti, et puis ingénieur Ronald Labranche, agronome Talo Bertrand, qui est secrétaire général pour Modev, qui a décoré une douzaine et monde à travers pays qui a fait ça, le développement durable, surtout dans le domaine agricole, dans l'occasion Journée mondiale de l'eau. Et sur le plan international, on a appelé un forum qui a rapproché dans le pays Brésil, côté gain plus que 15 chefs d'État qui déplacés et plusieurs milliers écologistes, en pile parlementaires, en pile ministres, en pile monde et dans Brasilia sous problème de l'eau et qui à la fois stratégique et puis de l'eau tout, nous connaît chaque individu besoin pour vivre et qui sont gros problèmes pour l'humanité pour année qui a venir. L'actualité internationale, là, on a retourné dans le pays la France, côté, il y a une attaque terroriste qui fait journée jeudi, encore dans le pays la France, c'est ça, président Emmanuel Macron déclaré, oui, nous subissons l'autre attaque terroriste encore. Bilan, 3 personnes mouri, 16 blessés, et il y a 2 personnes qui blessés, qui gravement grave, et il y a 1 personne qui est complice, et 1 personne qui fait attentat, qui ferme dans la prison. Et ça passait dans côté relé Aude, grand bonheur matin, et d'après information. C'est un nègre qui s'y met et désespoir de terreur dans la petite ville ça qui tout près Carcassonne. Grand bonheur matin, il touye 3 mouns avant que la police vide à terre. Il y a un proche assaillant qui n'en met la police. Et c'est une véritable panique qui te gagne matin dans la petite ville ça relé Trebes, ou bien Trebes, bon, comment le prononcer. À une dizaine de kilomètres Carcassonne, dans le département Aude, dans le sud pays de la France, Redouane Lakim, qui a 26 ans sous tête, qui est d'origine marocaine, et monsieur touye 3 personnes et blessé 3 autres dans 3 attaques que le fait. D'abord, et selon première information dans l'enquête, il touye un monde qui a conduit machine dans Carcassonne, et puis il prend machine. Nan. Après ça, il tiré sur plusieurs policiers qui t'a fait footing et qui t'a entré tout près beaucoup de caserne et dans Carcassonne nan même. Et gagne une là-dedans qui prend balle dans épaule li qui l'hôpital mais ville pas en danger. Et puis après ça même nom nan toujours, il al entré dans une maquette tout près de ville ça les Trebes et côté l'entrée il dit Allah Akbar, bon Dieu grand. Et d'après ça, plusieurs témoins rapportaient, et ils tiraient, et ils touillaient au moins 2 personnes dans la maquette ça. Et une vingtaine de clients dans la maquette ça, qui étaient courus, ils ont sauvé, et alors c'était qui courus sauvé, une vingtaine qui pas étant sauvé, monsieur prend en otage. Et c'était un gros dispositif, la police et la gendarmerie, surtout dans la zone ça, te prend pour faire face à la situation. Ils étaient en négociation avec un gendréa. Et côté que monsieur t'a demandé pour laguer Salah et Abdeslam qui c'est seul terroriste qui dans main la police qui fait maintenant prison dans pays la France dans cadre attentat 13 novembre 2015 qui était l'autre simple citoyen et terroriste est tiré et GGN non c'est dans gendarmerie et dans pays la France fait intervention et puis il a tiré terroriste lui-même qui mouri. Et c'est ça, ministre intérieur Gérard Collomb, fait qu'on est, lui retire chapeau devant le lieutenant, colonel gendarmerie ça, et qui blessé gravement grave, mais qui prend place un autre otage, et lui fait qu'on est, monsieur, c'est un garçon vaillant. Groupe État islamique n'a pas de printemps pour te revendiquer attaque ça, qui fait dans le sud pays la France, 2 heures de temps après attaque la fête, ton communiqué, il diffusé sur Internet. Groupe dit à distance, cependant,
pas bail l'autre précision et il pas bail preuve tout que c'est lui même qui fait attentat. En tout, il y a 3 monde qui mouri, il y a 16 les autres qui blessés et dans diverses attaques ça yo et il y a 2 dans monde qui gravement grave. Pays noir subi une attaque terroriste islamiste encore, c'est sa président français Emmanuel Macron qui était avec le premier ministre Edouard Philippe pour déclarer. Il était couru faire réunion pressé en dedans ministère intérieur sous situation. Président français a confirmé que attaque qui fait là sur attaque terroriste qui fait dans département relé au-delà matin. Pays noir subi jodi a une attaque islamiste terroriste et dans Carcassonne et dans Trèbes d'après sa président Macron est précisé et jodi a concernant événement ça qui passé. Enquête là selon président Macron doit porter réponse et sur un paquet de points qui pas clair qui important. Comment monsieur fait radicaliser tête li en parlant de terroriste non et qui côté monsieur jeune zam pour te faire attaque là. Redouane L c'est d'origine marocaine et la police te gen dossier monsieur mais yo pas de connait monsieur te radicaliser tête li dans question islamiste. Monsieur fait sorti dans prison dans mois d'août 2016 environ depuis quoi gen 2 ans après été arrêté monsieur pour des actes qui pas d'actes terroristes droit commun. Yo relé monsieur Redouane Lagdim monsieur gen 20 il te gen 26 ans et la police te gen dossier monsieur comme un petit délinquant et nous te suivre li et ne pas de penser que monsieur t'a pral radicaliser mais monsieur traverser le passé à l'acte sans attendre et c'est ça Gérard Collomb qui c'est ministre intérieur français a déclaré. Voilà on l'autre attaque terroriste jeudi à dans pays la France bilan 3 moun mouri et 16 blessés là-dedans 2 gravement grave. Olapale.com ou toujours sur Radio Kiskeya on va suivre dans 4 heures jeudi à nous connaître tous son journée FIFA en pile match et pour pas bon ici tout pour suivre Brésil bien entendu avec Argentine mais gain en pile l'autre match qui a fait gros deux équipes se dit là yo gain match yo. Et dans actualité internationale là nous pour aller c'est clair nouveau option et administration américaine n'en prend c'est Faucon qui a peiné et l'elle repasser maintenant équipe li en mettant bonne monnaie ou bien force de démissionner Donald Trump qu'on ça l'a faire politique étrangère là désormais c'est Faucon va en guerre monde qui voulait pour c'est la guerre et pour yo faire c'est eux même qui croient là gain voix au chapitre dans Maison Blanche la veille gros échéance et sous question et Corée du Nord ak Iran et qui bail impression et que Donald Trump les plus voulait rester pour compter sur scène internationale là que li a entorti tête à quelqu'un allié après premier année dans Maison Blanche non et côté que li retirer États-Unis dans tout accord multilatéral sur plan international et bien 2018 non li pou en route qui clair ils sont bit la guerre et président républicain yon après l'autre vin tout monde qui te gagne doute sur ça vin montrer sur qui bit li camper li prête pour faire guerre commerciale avec la Chine et li prête pour dans conseiller choisi pour sécurité nationale là par exemple John Bolton yo connaît sur qui bit monsieur camper monsieur lui même il est toujours montré que il voulait pour varer sur pays Corée du Nord et Donald Trump quoi il est là il prête pour engager la guerre au moins 3 fronts en même temps et d'après ça toute analyse estimé et président par exemple gain council et on foreign relations internationales et politiques qui critiquait et façon que États-Unis a comporté le non série de dossiers par exemple gain dossier enquête sur rôle la Russie t'a joué pour faire que Donald Trump rivé côté lié journée jeudi et gain dossier économie côté il voulait faire la guerre avec la Chine et puis avec l'autre pays encore et puis il ouvrait la guerre tout bon avec ZAM fois ça avec pays Iran ou bien Corée du Nord donc c'est là qu'il est là où monde capable joindre Donald Trump à tout faucon qui boit côté dans Maison Blanche non dans moment côté un moment très dangereux dans histoire moderne pays États-Unis et qui c'est États-Unis encore qui premier responsable de Jean situation selon ancien diplomate qui t'a parlé comme ça John Bolton par exemple et ancien ambassadeur dans Nations Unies et qui monsieur pa gen langue ni nan poche ni monsieur c'est dernier monde là que Donald Trump fait mettre dans équipe client après il fin forcer par exemple patron département d'état démissionner après il fin mettre HR
McMaster à terre, et puis Dina Powell, et surtout chef diplomatie Rex Tillerson. Et nous connaissons dans quelles conditions ils révoquaient la semaine passée. Eh bien, trois monsieur Sayo, vous mettez ensemble avec elle, eh bien, ils font équipe là. Et monsieur Sayo, c'est de monde diplomatie Payo, c'est Sayo et diplomatie préventive. Frapper avant, négocier après. Jusqu'à présent, tout le monde a dit, moun sa yo yo voye aller là yo, c'est eux même été considéré comme de véritables grands moun qui t'a suivi des ordres un petit moun yo les Donald Trump a fait dans maison blanche là. Mais je dis à débarrasser de yo. Mike Pompeo par exemple, il choisi pour remplacer Rex Tillerson non, qui c'est patron CIA selon plusieurs observateurs, yo ouais un signal qui pas trompé personne, qui voulait retourner à la même méthode George W. Bush yo, et côté que directeur CIA et d'ailleurs t'es montré que le d'accord technique musclé façon que était qu'on a pété au Gémon dans période Abu Ghraib. Et puis sans compter tout position sur plusieurs autres domaines dans société, il gagne parole qui pas douce pour musulmans américains, il gagne vieille parole pour femmes et pour communauté homosexuelle, lesbienne, étranger, et d'après sa organisation Human Rights Watch et affirmé dans lettre tout l'ouvrir livre parlementaire américain demandé pour pas confirmer Mike Pompeo dans poste chef diplomatie américaine. Et puis Gina Haspel et qui c'est première femme qui rivait dans tête CIA qui gagne tout pour confirmer dans le Sénat lui-même tout mamzelle te soutenir tout ça qui t'a fait et comme torturer monde après 11 septembre monde que administration Bush t'a accusé et qui était terroriste. N'a vinn la kay pa nou un ti moun ki disparèt et ki perdu yo pa jwenn ni yo relèl et Saskia Clermont li gen 6 ans et Saskia et li disparèt d'après sa ki di nan not sa nou jwenn nan Shalom et Tabernacle de Gloire dans Delma 33 c'est là li disparèt yo pa wèl et depuis hier bozon et 1h nan après-midi n'importe moun ki ta wèl pren contact ak Nadine Lubin ki se maman. Dans le numéro de téléphone, ça 47 18 et 39 84, 47 18 39 84, ou bien relé John McKinley Sylvestre, qui c'est tonton, dans le numéro 48 45 64 73, 48 45 64 73, yo remercie tout le monde qui est capable de rider, joindre Saskia Ina, alors c'est un petit nom Saskia, qui a 6 ans, et c'est depuis hier, famine par contre côté le passé. Yon accord engagement entre secteur économique, secteur privé avec syndicat yo qui fait non pays Costa Rica d'après notre nous gagne mais ça dit accord engagement forum économique secteur privé pays d'Haïti et représentant secteur patronal haïtien confédération travail à travail secteur public à privé c'était dans San José Costa Rica d'Amérique centrale va bannir bureau international travail BIT dans cadre démarche dialogue social genre que disposition dans accord programme promotion pour travail décent PPTD et qui signé la date 18 février 2015 entre syndicat et patron yo à gouvernement haïtien et puis avec BIT prévoil bureau international travail là considéré que justice sociale là c'est un élément fondamental pour permettre que gagne la paix sociale dans pays d'Haïti c'est notre temps qu'a parler là on considérer que si pas gagne la paix sociale ça li impossible pour capable gagner développement croissance dans économie et progrès social dans pays a nous certains yon entente entre syndicat ak patron yo pour éviter et puis pour résoudre conflit c'est un élément qui peut stabiliser pays qui va faciliter la croissance et le progrès. Nous avons conscience que la situation sociale et économique n'est pas bon et dans le pays précaire et côté gon bon parti dans population et qui dans l'âge pour travail qui pas dans travail pour travail qui pas dans travail qui dans chômage parce que pas de travail qui créé. Nous avons conscience que pile à paquet monde qui prend route pays étranger, un paquet jeunes travailleurs qui couille qui te paye a y a cherché toute considération ça yo l'enfin fait yo et en présence représentant dans zone et bureau international travail avec ministre
Affaires sociales et travail pays d'Haïti, parti qui signe déclaration ça, nous entendons nous sur ça, nous pral dire là. Pour nous mettre tout ça nous capable, pour nous faire tout ça nous capable, pour nous encourager le gouvernement, pour nous relancer la discussion, pour sous nécessité pour repasser maintenant le code de travail pays d'Haïti. Pour le gouvernement nommer représentant dans organe qui gagne trois parties de représenter, CAOS, CSS, et sous demande ministre Affaires sociales et travail. Donc, par contre, si c'est pour le gouvernement, mais il dit que il a demandé pour mettre, pour encourager le gouvernement, pour relancer la discussion sous question, pour refaire le code du travail, là, il a demandé tout pour désigner représentant au pluriel, donc si tout secteur n'a pas de représentant, bien manqué, dans CAOS et dans CSS, non? Et c'est ministre Affaires sociales et travail qui a demandé ça. Et puis, pour initier discussion en deux parties, yo, pour proposer qui gens yo capable mettre un chapantan dialogue social côté trois parties yo et ensemble capable chita sur dossier ça trois parties nationales qui concernent dans dossier ça travail pour yo capable joindre la paix sociale tout bon pour pays à suspendre dîner pour gain travail dans tout secteur ça qui a permettre yo attirer monde qui gain l'argent pour venir faire l'argent yo faire petit pour créer travail en dit plus dans pays ya qui pral porter ou amélioration dans croissance économique et dans développement tout bon et qui pral chita et une fois ça fait et dans démarche pour baisser misère pauvreté dans pays et puis travail pour gain plus bon environnement dans secteur travail qui pral permettre que dialogue là c'est pas un bagage qu'a fait l'air là mais c'est une institution la pied y a institutionnalisé question dialogue social en trois parties yo selon un plan action agenda qui a bien des outils et la donne pour faire suivi et pour faire évaluation et puis tout y a voyagé pour respecter toute convention que Haïti l'état haïtien signé et à toute loi qui concernait question travail et puis pour garantir que travailleurs et gain plus meilleur et service social et mettre en place de mesures pour accompagner dans domaine et social. Et puis assurer que gon bon communication entre acteurs pour éviter pas de conflit et faciliter si t'as gen conflit pour yo résoudre li nan chita parler nan dialogue. Et puis sixième point, mettre en application et démarches qui pour permettre que dialogue social là tabli non environnement yon respecte l'autre mais tout avec autonomie chaque parti yo, ça qui pral permettre que gen confiance nan acteur yo crédibilité yo et puis pour permettre que tabli confiance entre yo même et les yo tabli des mécanismes qui a garanti consensus et pour finir travail avec ministère affaires sociales ak travail pour capable gen mécanisme ak instrument qui d'aplomb pour capable lancer et puis en même temps pour faire que dialogue social là li la son outil qui la tout temps pour tous les trois parties qui concernent yo ça veut dire travailleurs à travers syndicats patron yo et puis l'état pour toujours gagner dialogue déclaration qui fait dans San Jose Costa Rica jour qui 21 mars 2018 là qui est-ce qui signe pour secteur syndical là René Préville Joseph secrétaire général Confédération travailleurs haïtiens CTH Jean Bonal Goleski Fatal président Confédération travailleurs travailleuses secteur public et privé CTSP Dominique Saint-Éloi coordonnateur général centrale nationale ouvrier haïtien CNOA Ivanelli Castera donc ça est vrai non porte-parole intersyndicale 1er mai bataille ouvrier ESPMBO et puis l'autre signature et Kouniela et gain Raymond Davius et trésorier coordination syndicale haïtien CSH ça est pour syndical pour secteur patronal là qui est-ce qui signe Franz Bernard Kran président CCIO chambre commerce et industrie dans l'ouest CCIH chambre commerce et industrie d'Haïti et puis coordonnateur forum économique secteur privé Béatrice Ilias directrice exécutive ADI Martine Deverson directrice exécutive forum économique secteur privé Kim Sassin, directrice exécutive CCIH.
Et puis, comme témoin, Stéphanie Auguste, ministre Affaires sociales et travail. Jocelyne Colimont-Fétière, médiatrice spéciale travail secteur textile. Carmel Moreno, directrice BIT, Amérique centrale, Haïti et République dominicaine. Donc, une coquine chaîne document, bien sûr, que Radio Kiskeya a gagné pour le retourner sous lui, que vous mettez nous là après-midi, hein, qui c'est engagement qui prend, nos rencontres qui sont faites, et San José, Costa Rica, sous question dialogue social, dans question travail, qui arrivait après, nous avons la semaine passée, déclaration, et président Jovenel Moïse te fait, côté dit, fait qu'on est que, ouvrir ou mettre blier ça, paguer à faire doubler salaire minimum, qui t'a lagué l'huile sous du feu concernant situation ça. Alors que démarche ça, qui semblait une bonne démarche, d'après Jean-Noël articulé, lui-même n'y pralé dans le sens pour lagué de l'eau sous du feu, pour tablir vraiment un dialogue social qui peut permettre que pays prend cap libre après tout retard que nous gagnons dans le domaine ça. Donc, nous avons suivi de très près le document ça qui signe là. Direction générale impôt DGI rappelé public là en général et toute institution financière en particulier li fait au songer que son devoir yo gagnen pour yo gagnen laisser passer BRH et Banque République d'Haïti avant que yo joigne patente et parce que selon la loi et 14 mai 2012 non sous question banque à toute institution financière en article 155 li qui dit avant pour une société qui a fait promotion investissement carte de crédit qui dans question et on dit à facturage et fiducie société financière développement et maison transfert et monde qui dans question activité changer l'argent agent change et bien yo doit laisser passer BRH avant pour gagner patente dans DGI. En plus de ça et DGI quoi faut qu'il attirer attention pour le faire connaître en wetant agent de change yo et bon cap une activité cambis activité ce décret 31 janvier 1989 là qui trace elle toute l'autre en retant eux même toute l'autre entité que te cité en vente dans communiqué a yo doué et yo même structuré tête sous forme société anonyme selon disposition code commerce ak loi sous société anonyme dans article 156 qui fait obligation ça. Et direction générale impôt DGI dit certain que moun ki intéressé yo pral continuer respecter et démarche ça qui c'est ça le prérequis que doit gagner avant pour gagner patente non et gens que avis ça rappeler ou ça pour éviter que yo pa gagne retard dans j'ai traité dossier yo et note ça yo signe pour directeur général DGI monsieur Miradin Morlon et représentant du Brésil qui te bail en pile dans ambulance yo ak employé Kanyo et qui c'est une entité qui dépend de ministère santé publique ak population qui était créé après un accord entre gouvernement haïtien brésilien ak cubain dans l'année 2012 un reportage Gervens Ricardo Jean-Jacques coupé fâché qui était gagné entre employé ak contractuel centre ambulancier national yo fait place ak bon rapport et piquet content entre ministère santé publique Madame Président République la Martine Moïse qui tape chanté ensemble dans la cérémonie inauguration nouveau local Cannes pour ministre Santé a, qui doit fêter yon l'année depuis la tête ministère en plus capacité pour Cannes fonctionner qui renforcé 129 lettres nomination déjà parées pour contractuel yo qui a changé statut d'après Marie Greta Roy Clément Genodjefo toujours cap continuer fait. Ce nouveau local dispose d'un centre d'appel moderne, d'un garage, d'une aire de désinfection des véhicules. Employés à passer progressivement de statut contractuel à celui plus sécuritaire d'employé permanent de la fonction publique. Et ma mesure de dire, nous recevons 129 lettres de nomination toujours. Madame Président République, la Martine Moïse ou Bopal, invité population 1, moun qui a psychilé dans les véhicules, yo sitou, prend précaution pour éviter accidents sur route. Yo. Yon autre pas,
li fait connaître réforme système santé à possible. Nous travaillons sans relâche aux côtés des principaux acteurs du secteur à l'établissement d'une couverture universelle de santé de qualité pour chaque famille. Et ceci doit nécessairement passer par une réforme en profondeur et continue du système de santé et des services hospitaliers. En absence ministre brésilien de la santé, vice-ministre Paulo Marcos annonçait s'y a-t-il un plan de travail à gouvernement haïtien pour un valet 8 millions de dollars américains qui a aidé à renforcer Cannes. En plus, 30 ambulances, l'été bail pour mettre campé Cannes dans l'année 2012, gouvernement brésilien a fait cadeau 10 lots pour servir la population. Vice-ministre santé brésilien, Paulo Marcos. Além da reforma e ampliação deste centro, en plus de la rénovation et de l'agrandissement de ce centre, le projet comprend le don de 10 autres ambulances et la rénovation de ceux qui sont endommagés, ainsi que la formation de tous les techniciens qui fourniront leurs services dans ce centre d'ambulance. Après une semaine de beaucoup de travail, on a pu signer aujourd'hui même le plan de travail pour une somme de 8 millions de dollars qui va aussi appuyer ce camp. Contribuera inclusive com ações do campo. Wally Audrey, chef service appel centre ambulancier national. Nanon collègue Lio dit li songe toute difficulté ou te connaît à cause problème matériel ak lettre nomination. Pour qu'on y a, c'est un pile satisfaction ak remerciement. La patrice by ministre santé. Nous sortis loin pour arriver là. Dans le moment ça, avec pile d'émotion, n'a inauguré local ça nan non employé Kanyo. Je dis ministre là, merci à tout membre gouvernement qui d'accord pour faire investissement ça. C'est un bâtiment moderne qui recevoir Kanan ak yon centre appel, garage à côté pour désinfecter véhicule pour répéter MSPP. Cafétéria, dortoir ak salle pour sport, c'est quelque lot stricti qui rete pour mettre. 116, c'est toujours numéro yon moun karele les gens. Tout gens, tout côté, tout temps, slogan Kanan di. Centre ambulance nationale, bonsoir, comment nous ka aider? Gervens, Ricardo, Jean-Jacques, Radio Kiskeya. Merci, toujours actualité locale là. Gagnant directeur communication mairie Tabala, Emile K. Jean-Baptiste, qui fait connaître. Par les divisions dans cartel qui a dirigé mairie malgré bric a couru et qui fait connaître un gros vent division dans mi-temps cartel là. Dans interview li bay radio Kiskeya jeudi Emile K Jean-Baptiste déclaré tout service a fonctionné correctement dans mairie Tabala et responsable communication fait connaître lang ak bouche ak dan toujours qu'on mordé li profiter occasion ça pour parler de travail de préférence l'idée mairie a réalisé dans dernier jour ça. N'attend explication directeur communication mairie Tabar Milka Jean-Baptiste qui tentait et démenti et bric a courir concernant vente division l'autre fois encore il dit qui a souqué sérieusement cartel qui dans tête mairie Tabar. Comme je contrairement avec rumeur qui a circulé qui avait fait quoi que mairie allait même y en demander donc nous dit que c'est menti, nous démenti information qui a circulé, qui t'a fait croire que mairie a les mêmes liens de mandat comme si t'as une division. Donc, l'on a rentré là où la fiscalité a fonctionné, où est génie, où est affichage, décès, le service affaires sociales là. Donc, tout service a même fonctionné normalement. Donc, mairie est en bonne santé administrativement, économiquement, infrastructurellement, nous sommes capables de dire ça parce que Anessa, magistrat Anne Simon, qui a dirigé cartel, qui a gagné, et Philippe Derrien avec Jean-Voltaire Bastien là-dedans. Donc, c'est infrastructure qui a fait en dedans commune à travers plusieurs rues, à travers plusieurs blocs en dedans commune. Donc, c'est infrastructure qui a fait, c'est caniveau, il y a plusieurs. Mettre linéaire de caniveau qu'a fait pour capable mettre asphalte sur plusieurs tronçons de route. C'est assainissement, c'est nettoyage et c'est assistance avec plusieurs quartiers qui n'ont pas d'électricité. Et c'est actuellement là, c'est la Koumalo, dans le centre que nous sortons, côté que magistrat Nissimon se voit installer environ une trentaine de lampes et dans la zone ça avec Soya, avec le transformateur qui va le voir là, le transformateur de 75 et il va le voir là. Et pour capable alimenter zone sans électricité et ces projets route qu'a fait à travers capable et plusieurs et c'est capable dit non tabac 40 dans rue sol solon même qui pas tout à fait quoi que je mets en après ou t'as une couverture t'as une boy avec magistrat dans l'angle toujours modé mais ça va dire pourtant que une division Jean Mounio voulait faire quoi là pas une division dans cartel là mais c'est un petit problème nous pas qu'à dire petit problème parce que ça a limité avec conseil là en quelque sorte mais ça qui est important c'est que commune lui même y a travaillé administration tout service toute direction qui est dans administration communale là qui a fonctionné.
Donc c'est porte-parole mairie Tabala Milka Jean-Baptiste qui dit pas gagner division dans mitan cartel là. Gagner une lettre tout ouvri là pour député Patrick Nozeus qui se représentant Baradère Grand Boucan qui peut date 21 mars, je voyais copier à banon. C'est commission politique ad hoc organisation politique famille Lavalas. Selon loi PAL, d'après ça qui dit, qui constatait que non et sous liste même bloc parlementaire et pro-gouvernemental que relait Alliance parlementaire pour Haïti APH. Bloc parlementaire ça était inscrit pendant la première session législative. Et pourtant, organisation politique famille Lavalas, c'est Babaniel que ou t'es élu et qui lui-même dans tête mouvement opposition démocratique qui a exercé quitte c'est dans parlement quitte c'est dans domaine social et comme ça et commission voulait pour le rappeler disposition article 4 à 24.1 dans loi 23 avril 2013 dans sous question formation et fonctionnement et puis financement parti politique yo mais ça le dit dans article 4 là et là on adhéré non parti politique c'est une action personnelle et c'est liberté pau et comme individu qui fait que ou entrer dans tel ou tel l'autre parti politique pas gagne monde qui capable force ou qui donc mette un revolver dans tête pour faire entrer dans quel parti politique et personne monde tout et pas capable en même temps même plusieurs partis politiques ou pas capable servir plusieurs maîtres à la fois ça me croit Jésus dit ça et donc article 24.1 fait connaître que mandat c'est pour parti en lié sans que pas oublier toute disposition dans et constitution. Pour raison ça, commission politique ad hoc formule Lavalas non, mando pour clarifier pour lui depuis ou fin recevoir lettre ça, situation qui pas clair du tout et qui pas normal et au grand délai pas dépasser 3 jours et pour faire clarification ça. Une fois délai ça passé, ben commission a obligé recommander comité exécutif parti formule Lavalas non pour prendre mesure que doit permettre d'y prendre. Et c'est Bertrand Sinal, président et commission ça, avec Joseph Manès, lui, secrétaire, qui signe une copie conforme par le comité exécutif, organisation politique, famille Lavalas. Yon l'autre part, gagne Fédération syndicat travailleurs dans l'électricité d'Haïti, FESTRED, qui célébrait journée jeudi à 32 l'année depuis que li Abgoumen est souterrain dans question affaire courant et célébration ça a déroulé en présence en plusieurs cadres dans compagnie dans rue Joseph Janvier plusieurs autres et syndicats institutions publiques tant que APN président Festred là madame Rosemonde Adrien Sterlin dénoncé responsable EDH li dit qui pas dit rien concernant rumeur privatisation qu'a courir une autre fois encore concernant EDH. Et d'après président syndicat, l'État haïtien doit EDH 17 milliards goud qui parole@palais.com. Après le directeur général là mettait tel monde dans tel poste sans aucune qualification. Les nous connaît l'État haïtien qui voulait liquider EDH, lui doit EDH 17 milliards de goud à qui ça pour manger à couille parce que graisse cochon c'est la même l'état haïtien lié. Employé EDH, nous gagnons épée Damoclès sous tête nous. Nous pas annoncer couleur, la couleur mais nous-mêmes. Moi connais nous informer et je dis à ces Festred gain 32 ans, nous chaque là nous gain 32 ans. Son Festred qui unit toute couche dans EDH. Son Festred qui unit machine, ou j'ai des privilèges. Eh bien EDH a vendre. Nous pas gagner nous qu'à faire si nous pas coller les épaules. Coller les épaules là qui sens. Ou même comme directeur ou qui a fait ça a dit tout le monde qui l'a EDH. En nous ouais comment nous qu'à faire seul à faire ça parce que faire ça il y a des normes et principes qui pas respectés dans EDH. C'est comme si EDH pas existait encore dans le cadre, dans le respect, l'une pour l'autre. Moi-même, comme président FESTRED, moi parlé plusieurs fois avec le directeur général là. Moi dis, lui c'est directeur général EDH, mais il n'a pas fait le cadre EDH.
C'est présidente syndicat Festredla, madame Rosemonde Adrien Sterling. Et secrétaire général Festredla, Jean-Claude Guillaume, déclaré question privatisation cap paléa pourquoi arriver en dedans compagnon. C'est dans la rue attendez. Yo même en tant que syndicat responsable, yo paré pour faire face carré à toute éventuelle décision autorité état cap prendre pour privatiser EDH dans jour cap venir là yo. Et sous promesse président Jovenel Moïse fait pour le bail pays à cour 24 heures sur 24 dans 16 mois. Et ça le 10 semaines passées là, yo faire connaître yo ouais des machins et donc Festred et faire connaître li ouais des machio parce que pas gain aucun travail et qui fait dans central yo et quitte ces centrales hydroélectriques ou bien thermiques. Donc il tendait président dit ça mais démarche pour mener pour aboutir à ça et pourquoi well n'a tendait syndicaliste Jean-Claude Guillaume toujours dans micro Amos Breville. En ce qui a trait à la privatisation, nous avons dit en deux idées, jusqu'à présent, nous-mêmes syndicats, en tant qu'instance légale qui a œuvré en dedans, qui a pour protéger les droits de travail, dossier pour ça pour comparaître en dedans. Mais en tant qu'haïtien, nous tendons l'intervention FMI Banque mondiale, nous tendons l'intervention du président qui dit qu'il va bailler aider à subvention. Nous connaissons ça, c'est des chemins qui vous mènent pour faire déclaration bientôt pour dire qu'il va rentrer dans la privatisation. Nous connaissons tout que avec la création de la NACE, c'est ma avec ça qui là, je investis en pile comme dans d'autres institutions tant qu'à ouais, pour faire mon salaire comme institution pour que vous venez conquérir, pour écraser Téléco, c'est ça qui a été fait. Pour mettre Téléco côté les jeunes aujourd'hui, c'est ça qui a été fait. Alors que Téléco, bon cap qui coûte un paquet d'argent, pays a un paquet d'argent, collecte de Haïti à Bahama. Et c'est sous lui, dit c'est l'affaire à faire million. C'est sous lui, n'a pas fait million, je ne veux dire. Mais arrêtez les coups. Et d'ailleurs, nous connaissons même bagarre à faire pour disparaître des DH. Mais nous pouvons dire c'est lui. Question pour un 24 sur 24 qui va parler. Nous-mêmes nous disons, son belle idée, son belle initiative pour que l'État qui a fait responsabilité pour la population pour un 24 sur 24. Parce que moi-même, tous les autres DH, je suis clientèle des DH. Moi, je voulais gagner pour un. Mais en tant que monde pour ça fait, nous connaissons ça pour ta fête. Ça pour ta fête, il y a des études qui font, qui dit n'importe que le bras construit centrale. Pas une nouvelle centrale pour construire un pays. Pas une réseau national pour construire un pays. Nous n'avons pas une ville qui peut construire un courant là-dedans. Maintenant, on dit que nous allons courant 24 sur 24. Nous-mêmes, nous sommes bien contents parce que job, nous, c'est un service décent, de qualité. C'est pas un courant, c'est pas un placard. Nous l'avons fait courant. Mais pour ça, on fait. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui là. Donc, pas quelque structure là, moi je pense que l'État a bien investi dans l'EDH. Mais l'État a bien aidé à réaliser le projet et à Tibonis 4 qu'il gagne. Donc l'État va faire ça. Et de le construire sous station, sous tout réseau, l'État va pouvoir faire ça. Et de le réparer toute ligne, l'État va pouvoir faire ça. D'où nous-mêmes, pour un 24 sur 24 là, nous ne disons pas bini et c'est un bon bagage, mais nous pouvons. Voilà, c'est le syndicaliste Jean-Claude Guillaume et puis secrétaire général CTSPA. Maître Jean Bonal Fatal, mandé tout employé EDHO pour faire un fonds commun pour barrer la route concernant plan FMI à Banque mondiale gain qui voulait pour yo mettre malais pendier sous tête pays à les yo fait un contrat à gouvernement et pour le pas financer et compagnie EDH là encore pour privatiser. N'a coûté syndicaliste Jean Bonal Fatal toujours dans micro à Montbreville dans l'occasion célébration 32e anniversaire syndicat Festred. Jodi a nous mande chaque moun ki nan EDH depuis nan simple employé arrivé nan direction générale là. Moun ki nan direction générale yo, met cadet, directeur général là, tout moun, nous considérer nous nan first class nou avion. Pa di si nou avion first class, si avion fait crash et mi gen moun k'ap sauver, tout moun ak mouri. Jodi a tout moun ki nan EDH, ménagère, moun k'ap travaille nan li, technicien etc., tout le monde, nous face à un danger. Vous créez premièrement, vous créez annoncé pour nous. Tout ça, c'est pour casser les ailes. Nous avons monopole là, vous retirez. Vous pas payé nous. Vous devez EDH plus que 14 milliards de gouttes. Seulement l'État. Plus que 14 milliards de gouttes. Vous pas jamais payé 17 milliards de gouttes. Vous pas jamais payé. Et vous avez dit, boîte déficitaire. Bon, si vous même qui l'État, qui l'a pour faire respecter la loi, ou pas payé, comment vous pouvez pas fonctionner? Depuis nous au côté, nous avons Banque mondiale là, nous avons FMI là, qu'on est là, il y a danger. Jodi a nous face à un danger avec signature à quoi ça?
accord gouvernement haïtien avec FMI. Accord ça, tout à l'heure, nous sommes sous président Préval. Là, on n'a pas liquidé Téléco. Yo, tout le monde n'a pas dit travail, on n'a pas bien. Nous, qui ça, ça te pote. Yo liquidé ciment d'Haïti. Est-ce que Josia Ciment vient plus bon marché? Yo liquidé minoterie d'Haïti. Est-ce que condition moun yo vient plus bon? Josia, yo liquidé Téléco. Regarde qui ça pour un monde qui travaille Téléco. Si ça travaille au tourné. Et c'est, moun ça, c'est bon la rue abdomi. C'est un presque un bapon abdomi. Situation pas plus bon. Josia, nous-mêmes, chaque ouvrier qui n'a EDH, y compris moun qui n'a direction générale, nous tous, nous devons faire un seul. Pour nous faire un seul, pour nous mettre face à fléau ça. Depuis nous, côté, nous sommes FMI, courir d'accord, on bagaille qu'on est bon pour nous. Nous venons pour nous mettre. Et jouer qu'à venir là, si mettez qu'on y a là, nous les IPAWE voulaient les débrancher et les janvier. Et chaque fois, janvier. Alors que, dans aucun pays, ça n'a pas fait. Si nous d'accord pour les gens qui voulaient là, pour ces secteurs privés qui ont tout contrôle, tout ça qui est dans le pays, nous suspendons le pays, pays à venir en boutique. Voilà, c'est syndicaliste maître Jean Bonal Fatal, dans l'occasion de la célébration, dit à la tête secrétaire général CTSP, dans l'occasion 32e anniversaire, existence Festred, qui est syndicat travailleurs travailleuses dans EDH. Et puis, dans Barcelone, c'est plusieurs milliers de monde qui manifestaient journée jodia dans la rue Catalogne et Barcelone la donne et avec l'autre côté encore après la justice espagnole mettait en prison 5 dirigeants indépendantistes pour Wallio dans tentative pour te séparer Catalogne avec reste Espagne et côté au lancer mandat pour arrêt international et contre 6 autres dirigeants même organisation indépendantiste qui croient de là le caché dans pays étranger. Dans Barcelone, il y a 24 manifestants qui blessés, pas grave, dans troqué con avec la police, selon service secours et force anti-émeute, ont repoussé avec coco macaque, manifestants qui t'ont approché vin devant préfecture côté côté campé d'après son correspondant AFP constaté. Et manifestation et c'était faite la et c'est gros et la veille et côté que Assemblée nationale catalane ak un comité de défense république et qui gen en pile tendance radicale la donne et qui t'est convoqué pour t'est faite avant décision que la justice prend journée jodia juge de la cour suprême puis au tribunal pays Espagne qui t'est chargé pour mener enquête là inculpé formellement 13 dirigeants indépendantistes pour est-ce que c'est rébellion ou faire rébellion ou infraction qui capable faire pour condamnation 30 ans et prison et que 5 yo fermé dans prison là-dedans Jordi Turull et qui était candidat pour présidence région et qui t'a tenté pour te joindre laisser passer dans élection pour deuxième tour dans parlement catalan samedi et puis il y a 4 autres qui étaient déjà fermé dans prison et puis nous connaît leader indépendantiste dans lui-même et déjà quitté pays a li al monter tenté dans pays Belgique Carles Puigdemont et côté li renoncé pour qu'on est là pas capable de diriger région Catalogne encore. Gagné dans avenue Martin Luther King en face Unibank lan, gagné un monde qui dit que gagné un petit sac, un petit valise qui gagné là-dedans des documents et qui concerne les questions la justice et gagné un reçu et que l'acheté qui n'en non famille et Jean Enab, nous avons connu ces termes, ils ont reçu d'achat et que ils prennent en main y aller à Vel. Et donc, moun et qui mettent documents ça, ils trouvent dans l'évêque de. Olapalé.com. Si c'est un terme, et mais il dit que mettent documents, ils trouvent quoi il est là, dans section communale, il y aurait l'évêque dans cabaret. Alors, ce numéro pour prendre contact avec lui, 31 70 45 46. Mais si vous jouez ni tout, vous avez le poulet. Dans la radio Kiskeya, la baille yon récompense. Non déclaration ni fait dans micro radio Kiskeya, coordonnateur national groupement syndical travailleur textile et pour réexportation d'assemblage, Gostra, Reginald Lafontaine à Quilner Eliassin, responsable relations internationales dans même syndicat, vous avez jeté déclaration, président Jovenel Moïse te fait dans le week-end passé, dans l'alter visité. Et yon nouveau et côté yon et dans santé un lot et parc industriel et privé et famille à peine avec Becker
il était tout profiter occasion ça pour te dire ouvrier mettre briller ça pas gagne augmentation et salaire. D'ailleurs il était rencontré avec ouvrier dans même semaine non qui te fait manifestation dans moment te vient avec un groupe investisseur coréen qui te trouvé dans son apia et donc dans ça ouvrier te menacé pour prendre la rue pour faire mobilisation. N'attend les déclarations de syndicalistes régional Lafontaine à Quilner Eliassin. Raison qui fait que nous parler passer dans radio Télékiskia c'est pour nous prendre à contre-pied et vous jeter bien loin déclaration Jovenel Moïse fait comme quoi que année ça pas bien augmentation salaire. Nous croyons que déclaration ça les choquer tout ouvrier qui dans secteur textile là tout travail en général et déclaration ça c'est orienté livré orienté CSSTA qui vient pour produire rapport par rapport avec et augmentation salaire ou du moins son ajustement salaire qui t'a supposé fait année ça et nous croyons que Gosra CTSP lui renouveler engagement pour le bataille pour défendre intérêt tout travail dans le secteur et compris secteur textile spécialement et nous croyons que déclaration ça président Jovenel Moïse fait c'est gaz de mettre dans moteur et camion caravane mobilisation nous pourrons faire à partir du mois de mai et nous pensons que nous pas t'arrêter garder mais par rapport avec déclaration ça lui commencer que faire nous commencer rassembler nous et regrouper nous pour nous vu avec cherté la vie qui gagne dans moment vu avec plusieurs taxes qui gagne que y a prend sur nous que ça allait nous pas jamais monter que pas jamais ajustement qui fait. Non seulement nous dénoncer déclaration Jovenel Moïse qui sont déclaration de irrespectueux avec la loi et convention internationale parce que le gouvernement le président lui va gagner le droit pour t'en réagir dans genre réagir là. Dans sens ça, n'a demandé tout ouvrier ouvriers pour te collaborer pour que nous-mêmes nous ba réponse avec une déclaration incertaine que le président fait. Voilà deux syndicalistes Réginal Lafontaine à Quilner Eliassin qui dans et Gostra. Et puis tu gagné plusieurs dizaines de monde qui t'a fait manifestation devant bureau premier ministre japonais à Tokyo, plusieurs dizaines et pour montrer colère pour même son véritable scandale politique qui impliquait madame premier ministre Shinzo Abe et qui s'allier yo accusé de ce que mademoiselle fait favoritisme en faveur yo monde qui gagne même tendance politique avec Maril et madame premier ministre Aki Abe li vann yon terrain ak yon prix ki pi ba ke prix normalement théâtre vo ba yon responsable yon l'école et maternelle et ki moun sa gen même tendance nationaliste ak mari et première dame japonaise nan ki se premier ministre et scandale la li vinn pété les que la presse révélé que document officiel concernant transaction ça et bien li falsifié ou te passé ben nan document et pour te faire disparaître non et madame premier ministre ensemble avec non premier ministre et gouvernement japonais son gouvernement qui stupide et c'est ça une manifestant ou fait connait nous voulons pour finir avec un genre de comportement ça yo falsifier un document et qui genre de pays Japon tourner journée aujourd'hui à qui ça veut dire de pas accepter ça et madame premier ministre Shinzo Abe et li en bas et gros critique li attire attention sur li en pile non pays généralement c'est pas comme ça parce que mademoiselle pas non premier madame premier ministre qui classique mademoiselle d'abord li très présent sur réseaux sociaux yo ça que yo pas accepté et puis en plus de ça li paraît tout et dans les dossiers politiques yo li prend position politique parfois qui soulever polémique et li très présent donc et manifestation contre madame premier ministre non acte premier ministre tout et yo accusé de favoritisme et de népotisme. Cela nous campé rester sur Radio Kiskeya pour ce programme. Nous dit tout pour bonsoir à demain. olatale.com One number. All radios. 712-775-6583. Call now to listen to the radio of your choice. Et un seul numéro pour toute radio. 712-775-6583. 712-775-6583. Rele Kounia pour qu'a choisi Radio Paola.
Olapalais.com. Un seul numéro. Toutes les radios. 712 775 65 83. Appelez maintenant pour écouter la radio de votre choix.